Il y a eu un passage télé qui nous a intrigués. Chez Philippe Bouvard, est-ce que vous voulez bien regarder avec nous? Pensez parfois sûrement à la retraite, à un moment où il faudra se reconvertir. La musique. Quand vous aurez... Musique. De la musique? Oui. Ah, et... C'est un rêve, je veux dire, comme, c'est un comme rêve. Comme quoi? Comme compositeur, comme interprète? J'aime chanter, oui. Oui, oui, vous devez avoir du rythme, hein, personnellement. Nous avons le rythme dans la peau. Vous réagissez bien, mais elle est invraisemblable. On est en 1982. Vous dites que vous aimez la musique et que vous rêveriez d'avoir une carrière dans la musique. Réaction de Philippe Bouvard, vous devez avoir le rythme dans la peau. Mm-hmm. Oh, je suis tellement mal à l'aise. Je suis tellement mal à l'aise, là, quand je me vois... Je vois très bien tous ces gens en train de ricaner. Je suis pas dans mon monde. Et ouais, et puis cette sortie, vous devez avoir ça et tout le monde... Mais c'est une motivation à un moment. Après, on peut pas, je ne peux pas m'appesantir et me dire, voilà, c'est... ouais, j'étais à contre-courant, oui, mais même quand j'ai commencé quelques années après à faire de la musique, ouais, c'est la grosse blague, quoi. La grosse blague, on me fait, bon, alors, bon, en même temps, j'ai commencé par Saga. Mais, mais c'était un peu ça, quoi. Un peu s'excuser, allez, j'y crois, mais excusez-moi, je vais essayer, voilà, pour m'intégrer, en gros, quelque part, dans ce nouveau monde. Et, mais ça me motivait. Connard, je vais te montrer. Connard! Je peux pas le faire. Alors là, mais c'était vraiment un truc qui m'a tellement porté souvent. Tu peux pas le faire. Là, tu me dis ça. C'est foutu. Ben, alors, mais non, mais je vais mettre le paquet. Et je vais faire tout pour te faire passer pour un con. Et donc là, du coup, il passe un peu pour un con, quoi. Alors, on va écouter un autre album qu'on adore, un titre particulièrement, Simon Papa Tara. Je sais que tu es en moi, Simon Papa Tara. Je sais que tu es en moi, non, ma pitié, non. Tu sais, grand-père, ici, le papa, à ces choses-là. Simon Papa Tara, c'est la mémoire de votre grand-père. C'est aussi la chanson qui fait penser à votre producteur que vous êtes peut-être prêt pour faire des grandes salles, des zéniths. Le 25 septembre 2010, le Stade de France. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des plus gros tracks de votre vie? Pas du tout. Ah ben, ouais. Dites-moi. Non, j'avais pas du tout le track au Stade de France. J'ai eu un peu le track pour mon premier concert. Mm-hmm. Un jour, j'étais à la maison, on me dit, écoute, il y a Saga Africa, tu as fait quelques morceaux, il y a une boîte de nuit à Annemasse qui te propose un Macumba, qui te propose de faire un concert. Je dis, un concert, mais j'ai pas de groupe. Mais non, t'as pas besoin de groupe, en fait, c'est playback, orchestre, et tu chantes, en fait, comme un karaoké. Je dis, mais je vais aller à Annemasse pour ça. Il me fait, mais attends, t'es payé. Je suis payé pour aller chanter. C'était juste un truc complètement abstrait, tu vois. Et puis, je dis, d'accord, j'y vais, payé. Je me chantais, attends, pourquoi pas. Et j'arrive, mais là, la totale, l'avion, l'hélicoptère, la totale, rockstar. Et je m'habille en rockstar, tu vois. Je me mets un pantalon en cuir, une chemise et tout. Sans penser à du tout à ce qui m'attendait, quoi. Et tout d'un coup, j'arrive sur une scène, je suis tout seul. Donc, il n'y a même pas des mecs qui font semblant de jouer, débrancher, tu vois, tout seul, avec, je ne sais pas, 500 personnes devant moi, et je fais une répétition. Donc, un karaoké, quoi. Donc, OK. Donc, la chenille, je la fais toute seule. tu vois, donc ça, c'est cool. Et 4 chansons. Et là, ça commence. Et là, les gens commencent à arriver. Ça, c'est la répétition. Ils commencent à arriver. Là, j'ai eu le trac, là. J'ai eu le trac. D'autant plus qu'en fait, donc l'idée, c'était on fait les 3 premières et puis on finit par le tube. Tu vois, par Saga Africa, ouais. On finit par avec le tube. Donc, j'attaque la deuxième que je connais. Je me souvenais vraiment. Je suis vraiment au taquet. Et là, tu crois pas qu'il y a une panne d'électricité? Et que je suis comme un con sur scène. Plus de jus, plus rien. Comme un con. Et voilà, c'était mon premier concert. Là, oui, j'ai vraiment flippé. Petit trac. Au Stade de France, donc j'ai après, pas ça immunise. J'ai pas flippé. Je connaissais mon tour de chant parfaitement. C'était juste... Là, c'était juste sentir les chansons, les vivre, c'était tout. J'avais fait une belle méditation la veille. J'étais allé dans le stade vide pour sentir cet endroit qui est gigantesque. Hein. Bon, quand je vous dis que je n'ai pas eu le trac, ça ne veut pas dire que c'était normal. Hein. Putain, j'étais au Stade de France, quoi. C'était un truc de fou, quoi. J'y croyais pas, quoi. Revenons au sport. Le football pour votre père, le basket pour votre fils Joachim, le tennis pour vous. Maintenant, le golf. Nouvelle passion pour vous?
mais je détestais le golf. Sport de blanc bourgeois. Ouais. J'étais, mais con, c'est pas un sport. Converti. Hein. Et là, depuis 20 ans, là, mais c'est, ouais, c'est je suis drogue, mais le... accro, c'est un truc ouais. de fou. Quoi. J'adore ça. Et je suis nul. Je suis nul. Ah, bon ah mais ah, je suis nul. Alors, oui. tous les gens me disent, ah, mais les joueurs de tennis, oui. Eux, oui, mais moi, moi non. Je suis nul, mais j'adore ça. Ah bon j'adore ça. Mais vous progressez un peu ou pas du tout pas très j'aimerais. Bien. Bah, je sais pas, je le demande. Non, non, mais j'aimerais, mais... j'aimerais. Je suis nul. Bon. Je sais pas, mais vous persévérez. Mais bon, je tape des balles, quoi, d'accord. quand même. Pourquoi donc, vous voulez me défier ? Non, pas parce que j'avais prévu une question sur est-ce qu'il y a un sport où vous êtes mauvais ? Et donc, le golf. Le golf. Non, non, mais. Exactement, exactement.